extraterrestres débarquent et on se retrouve de garde. On surveille Superman et sa bande. Qui ont déjà des gardes. On garde des gardes. On sert à rien. Jason prend du recul et voit les choses dans leur ensemble. Je préfère être ici que là-bas. Cette armure est une machine de guerre alien. Entre ça et votre matrice Firestorm, si on affronte Brainiac, boum! On peut faire sauter la planète. Raimé a raison. On ne maîtrise pas totalement ses pouvoirs. Professeur, Raimé, écoutez-vous parler! Nous, on est des pointures. Et la place des pointures, c'est pas ici, c'est au front. Tu es sur la ligne de front. Brainiac qui se déchaîne, c'est une crise. Brainiac et Superman à la fois. Là, c'est l'apocalypse. Alors on est le dernier rempart entre la crise et l'apocalypse? Vu comme ça, ça me va. Le rempart, il va pas durer longtemps. Je crois qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte, les gars. Brainiac, ou le fan club de Superman. Dans les deux cas, je propose qu'on fusionne. Et on pète le feu. C'est parti. Ah bah c'était le fan club. La cellule de soleil rouge est OK. Ça doit être... La centrale électrique. S'ils la détruisent, les générateurs s'arrêtent. Et il pourra sortir d'ici. Ça doit être pratique pour lire dans le noir. Je me demande qui c'est celui-là. On dirait un générateur d'antimatière. Voilà le plan. L'un de nous s'occupe d'Adam. L'autre relance les générateurs avant que Superman puisse s'échapper. Un plan minable. Mais Black Adam, c'était pas un méchant à la base? C'est pas le némésisme de Shazam? Vous allez plus probablement mourir ici. Blue Beetle. J'ai bien envie de voir c'est quoi les les techniques qu'un de... Tu n'es petit garçon de... avec un trop grand pouvoir. Tout comme Billy Batson qui nous a quittés. Du scarabée. Ok, donc en fait, il a pas une seconde attaque, il a deux modes de combat. Ok, et sur son mode, les... Ok. Wow, pourquoi je suis fui? Bon, perso, je préfère rester... Oh, je l'ai eu.
toutes les réponses. Ah. Ah non, ça serait Shazam. Il serait Shazam. Mais normalement en noir, c'est pas Shazam. Reste à ta place. Je préfère faire ça. Ah, merde. Là. Ah bah merde. Il y avait plus d'énergie, évidemment. Ah d'accord, quand je suis en aile déployée, je peux pas sauter. Mais par contre, j'ai plus de portée. Il faut qu'on boucle la cellule de Superman. Ben, mon père a vu ses critères à la baisse. Vous tenez tellement à impressionner Batman, tous les deux. Pourquoi? Il est faible. Ton père est faible. Tu es quoi, toi? Un petit Firestorm. Le professeur Stein voudrait apprendre à Oedipe à respecter ses ennemis. Je parie que t'étais le genre d'élève à se croire plus malin que ses professeurs. Se croire plus malin, grosse tête? Non, je suis plus malin. Ok, lui il a une... Whoops. Bon, avant d'essayer les coups, je vais déjà essayer de comprendre comment il frappe. Ok. En premier... Alors, à quoi ça ressemble son ultime? Oh, joli. Ouais, ça fait un peu mal. À deux, on assure. Ah punaise! Ah j'ai presque... Je me demande ce que ça donne si j'ai... Et là... Laisse-moi activer mon... Ah non, c'était mauvaise touche. Le cours est fini. Ok, j'ai encore un peu de mal pour contrôler. Wonder Woman est dehors. Elle tire le reste des gardes à distance. Si c'était pas elle, qui t'a fait sortir? C'est moi. Une autre kryptonienne? Normalement, ils vous entendent, ils sont hyper rapides. Mes parents m'avaient donné une image de toi. Tu es ma protectrice. Désolée, j'ai quelques années de retard. On a quitté Krypton en même temps, mais l'explosion a fait dévier mon vaisseau de sa trajectoire. De beaucoup. Tu n'as pas pris une ride? Hyper sommeil. J'étais dans la glace pendant que tu grandissais. Je ne pensais pas revoir un jour quelqu'un de ma famille. Avec mes yeux, mon sang, tu as connu mes parents. Ils t'aimaient tellement, Cal.
Diana a besoin d'aide. Cyborg, combien de temps? Donne-moi 5 minutes, après extinction des feux. Je ne veux pas te laisser. Je serai là. Ah, on va se battre contre Cyborg, j'imagine. Hey, esta sobre tu nivel. Pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi? T'as largement le niveau. Les Kryptoniens sont arrivés. Allez, Batman compte sur nous. J'ai pas pigé pourquoi il a parlé en espagnol. Palmer est plutôt doué. Sa cryptographie tient la route. Mais je finirai par la craquer. À quelle température tu fonds, Cyborg? C'est pas bon ça quand tu fais ce bruit là. Ah bah si. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Les générateurs de soleil rouge! Il faut qu'on réactive la console avant que Superman retrouve ses pouvoirs. La récréation est terminée. Allez, un petit Blue Beetle. Pas mal le canon. T'as vu le mien? Fais pas le malin. Tu sais au moins comment il marche. Oh punaise. Ah, j'ai relâché trop tôt. Allez, prends-toi ça. Ah, oh, t'es trop loin, fais chier. Tu vas tenir à la casse. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau personnage préféré. Fais-moi signe. Brainiac est trop fort pour Batman. Je suis votre seule chance. Je t'explique, Superman. Batman nous a demandé de l'aide. Il nous a pas enlevé, fait signer un serment de loyauté ou menacé de nous enfermer. Il ne va pas assez loin. C'est pour ça qu'il va perdre. Normalement, elle te plie en deux, là. Kryptonienne, hein? Le professeur sait comment te régler. La Kryptonienne. Vous êtes aussi mauvais. Que l'avait dit Wonder Woman et Black Adam. Rends-toi maintenant et j'arrête. Fais gaffe derrière toi. Les Kryptoniens ne se rendent pas. On continue avec Blue Beetle. On libérera Kal-El. Que ça vous plaise ou non. Je prends le relais. On a besoin de l'aide de Kal-Ti. Tu ne sais pas de quoi Brainiac est capable. Non, mais je sais de quoi Superman est capable. Ah.
Hop là. Ah punaise. Ah merde, elle s'est pas relevée. Ouf. Elle s'est relevée au mauvais moment. C'était joli. Ah punaise. Ah putain, j'arrive pas. Ouais, je l'ai esquivé au bon moment. Moi, je connaissais pas ça. Je sais pas trop comment j'ai fait. Bon, ça, je connaissais, oui, c'est sûr. Ça, c'est une raclée. Tu as ta place ici, toi aussi. Qu'est-ce que je te disais, Raimé? On est bon. On a piégé Wonder Woman sous 3 mètres d'acier. Non. Le scarabée est bon. Vous êtes bien battu. Toi, t'es un petit peu trop bavard. Mais ce combat est fini. Vous voulez que je fasse quoi? Professeur, c'est de la folie. On peut peut-être le contrôler, mais... C'est vrai. On n'a pas le choix. Sors d'ici, Raimé. Supernova. Mais au Christo, Jason, tu vas nous atomiser? C'est le seul moyen. Allez, pars! Partez, partez tous, ou vous allez prendre un sacré coup de soleil. Tu préfères raser Metropolis que laisser Superman partir? Si ça peut sauver la Terre. Firestorm, ça suffit! Et Batman est arrivé, sans se presser. Qui es-tu? La cousine surprotectrice de Superman. Tu gardes tous tes petits secrets, mais tu supportes pas qu'on en ait pour toi, hein? Pas vrai? Tu ne peux pas battre Brainiac, Bruce. Tu as raison, Diana. Je ne peux pas. On libère Superman? Oui! Alors tu es prêt à battre Brainiac par tous les moyens possibles? Par les moyens dont je dispose. Quel est ton plan? Tu as toujours 3 coups d'avance. Pour l'instant, j'essaie de sauver le monde. Je ne retournerai pas dans cette cellule. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, le monde a besoin de nous. Demandez, Brainiac. Il y a eu des développements inattendus. Kal-El est libre. Mais plus étonnant encore, il n'est pas le dernier Kryptonien. Il y a une autre rescapée. 2 Kryptoniens? Continue comme prévu. Kal-El n'a pas encore repris toutes ses forces. Mais n'oublie pas, les Kryptoniens sont à moi. Faut qu'il se fasse un soin de la peau.
grâce aux infos de Flash, on sait où se trouvent tous les vaisseaux de la flotte de Brainiac. Ils ciblent les villes les plus importantes de chaque continent. D'abord, ils commencent par atterrir à la périphérie. Pourquoi ils tirent ? Ils avancent progressivement depuis la banlieue jusqu'au centre-ville. Laissez-nous un moment. Écoute, Batman, à propos de la prison, C'était imprudent. Ne refais jamais ce genre de manœuvre. Tu peux te rattraper en terminant une autre mission. Discrètement. Nous devons évacuer ces villes avant d'attaquer la flotte. Mais il faudra d'abord rétablir les communications. Alors, avant de commencer, Cyborg va reprendre le contrôle de l'œil. Je ne suis pas le SAV de Batman. Là n'est pas la question, Victor. Kara a vu de ses yeux comment Brainiac a détruit Krypton. Elle pense qu'il reste moins de 48 heures avant que la Terre ne subisse le même sort. Sans une bonne coordination, nous allons perdre un temps précieux. Par conséquent, nous devons récupérer l'œil. Catwoman et Harley t'accompagneront. Tu auras besoin d'elle pour accéder à la Batcave. Donne-moi les coordonnées. J'ouvrirai un portail et je m'y téléporterai. Impossible. J'ai décompilé la technologie de la boîte mère de ton armure. Ah, essaie de te téléporter dans la Batcave. Et au lieu de boum, ça fera splash. Alors, comment on y entre ? Par les souterrains. Un tunnel y mène sous l'asile d'Arkham. Je vous emmène toutes les deux à l'asile d'Arkham ? Si tu me jures que ce sera pas bizarre ou quoi ? J'ai besoin de passer quelques heures dans le solarium de la forteresse de Solitude. En supposant que tu ne l'aies pas détruite. Pas encore. Damian, Adam, suivez-moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas rester là. On planifie l'attaque. Une fois l'œil remis en marche, on se mobilise. N'oubliez pas, dehors, il n'y a pas de régime. C'est fini. Alors, on ne tue pas. Allons-y. Il y en a, ils vont avoir un peu de difficulté. Viens avec moi. Pourquoi tu l'as gardé ? Gardé quoi ? J'ai oublié que c'était là. Pas aimé son regard à la fin là. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.